Bonjour à tous. Amis voyageurs, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau voyage virtuel ce matin, en compagnie de François Mollier, à destination de la Provence, à la découverte des débuts de l'évangélisation. Vous êtes plus de 100 ce matin à nous suivre. C'est pour moi l'occasion de vous remercier très chaleureusement pour votre fidélité, pour votre présence, pour vos inscriptions régulières à nos voyages virtuels que nous avons lancés il y a maintenant 3 semaines. Nous sommes vraiment très touchés par tous les mots de soutien, d'encouragement que nous recevons nombreux de votre part dans cette période qui est très difficile pour notre activité. Alors au nom de toute l'équipe Ictus Voyage, un très grand merci pour votre soutien. Ce matin, cap sur la Provence. Selon la tradition chrétienne, une barque aurait accosté sur une des plages de Sainte-Marie-de-la-Mer, avec à son bord des compagnons du Christ qui auraient été chassés de Palestine. Et nous vous invitons ce matin à cet itinéraire pour suivre les premiers pas fondateurs de l'Église en France. Nous avons la chance d'accueillir ce matin François Mollier. François travaille avec Ictus Voyage depuis maintenant 2003. Il accompagne régulièrement des marches spirituelles en Terre Sainte, en Italie, mais aussi en France. Également un voyage culturel en Chine chaque année. François est docteur en histoire. Il est hébraïsant. Il a vécu 1 an à Jérusalem. Il est aussi né en Provence. Il a passé 40 ans de sa vie. Il y a été guide. Et je pense qu'il va nous conter un itinéraire vraiment passionnant. Sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Simplement au préalable, un petit détail technique. Vous pourrez poser des questions, si vous le souhaitez, à la fin de ce voyage virtuel, à l'aide d'un petit module qui s'appelle Q et R, qui se situe au bas de votre écran. Et vous pouvez tout à fait, pendant le voyage, commencer à poser vos questions. Comme ça, nous pourrons les prendre dès la fin des 45 minutes. Voilà, sans plus tarder, je vais laisser François à l'antenne. François, tu m'entends ? Oui, je suis là. Voilà, Vianney. Eh bien, sois le bienvenu. Je vous souhaite tous un très bon voyage virtuel. Merci beaucoup. Voilà, ben, nous sommes partis pour la Provence avec la première question qui nous intéresse, puisque nous avons fêté la résurrection il n'y a pas très longtemps, c'est que sont devenus les apôtres ? Après la résurrection, après la Pentecôte, après cette dispersion, alors bon, nous savons que saint Paul a fait plusieurs voyages missionnaires, qu'il est allé jusqu'à Rome. Saint Pierre également a été crucifié, la tête en bas à Rome. Saint Thomas est allé du côté de l'Inde, voire de la Chine, etc. Marie-Madeleine, où est-elle allée ? Bon, la tradition provençale dit qu'elle a fondé l'Église en Provence, elle, avec beaucoup d'autres. Alors, nous allons parler de cette tradition, nous allons parler de beaucoup d'autres choses, sachant que quand on parle de la Provence, quand on vient de Palestine, eh bien, on parle d'une terre que l'on aborde par la mer. Donc, c'est vrai que la Provence, pour vraiment l'apprécier dans notre optique, là, il faut l'aborder à partir de la Méditerranée avec une très belle côte. Donc, nous allons voir avec les premières photos qui vont bientôt apparaître. Voilà. Cette côte un peu sauvage, ce rocher, alors là, ce sont les schistes du Massif des Morts. Cette très belle Méditerranée au bleu profond, bon voilà, beaucoup d'entre vous certainement connaissent. On arrive en bateau, on découvre ce pays, et c'est un pays qui s'ouvre sur la mer parce que vers le nord il y a les montagnes, donc il y a toutes les Alpes qui font la frontière est et nord, et la seule ouverture de la Provence vers l'intérieur des terres, c'est la vallée du Rhône. Sinon, c'est la mer qui constitue l'ouverture vers le large. Donc là, nous voyons le parc naturel, le parc national de Porquerolles, avec cette une très belle île entre Porquerolles et l'île du Levant, là, les îles d'Hier. Derrière ce bras de mer, c'est le Massif des Morts. Une côte aujourd'hui qui est de villégiature, qui est très peuplée. Il est difficile de trouver encore des zones sauvages sur la côte, mais dès qu'on s'enfonce un peu à l'intérieur des terres, c'est la Provence verte.
avec le département du Var, par exemple, qui est encore aujourd'hui le département le plus boisé de France, avec celui des Landes. Il y a un patrimoine naturel très important et un patrimoine culturel qui va avec, qui est lié à cette nature. Deux types de patrimoine qui font la renommée de la Provence et qui en font une terre de tourisme depuis plus d'un siècle. Alors, c'est une terre qui est très belle, qui est très attirante. On va voir sur la photo suivante, là, bon, une photo parmi d'autres qui nous montre un petit port de pêche. On pourrait imaginer là le marché provençal, le marché des pêcheurs, les fruits et légumes. Bon, on pourrait être ici n'importe où. Bon, là, c'est le port de Cassis, mais on pourrait être n'importe où sur la côte. C'est toujours le même charme avec ces petites maisons. On voit qu'on n'est pas très loin de l'Italie avec les couleurs, là, les volets bleus, bleu Provence, bleu lavande souvent à l'intérieur des terres. Les collines juste derrière, ça monte à 500 mètres facilement. Toujours la présence de l'eau et de la montagne. Ici, c'est le massif des Maures vu depuis le golfe de Saint-Raphaël, de Fréjus-Saint-Raphaël. On a de très beaux paysages, de très beaux ciels. C'est vrai que c'est une terre, même si Marie-Madeleine n'y est pas allée, ce serait dommage de ne pas s'y rendre. Et la légende, je dirais, fait partie de l'histoire. Les contes et légendes de Provence, c'est vrai que c'est plein de charme. Hein. Bon, dans toutes les régions de France, bien sûr, mais c'est vrai que la Provence, avec sous le soleil, bien sûr. Alors, les frontières de la Provence sont changeantes au cours de l'histoire. En gros, vous allez voir sur la photo suivante, voilà, vous avez donc, ça c'est la région PACA, bon, l'administration républicaine qui a défini tout ça. On est bloqué à l'est avec la frontière italienne par les Alpes, par le massif du Mercantour qui monte à plus de 3000 mètres, les Alpes du Sud. Sur la gauche de la carte, donc à l'ouest, on a cette frontière naturelle qu'est le Rhône, qui est un fleuve impétueux, sur lequel il a été difficile jusqu'à une époque récente de construire des ponts. Et même si vous avez Montpellier tout à gauche de la carte, là, même si on reste dans la même ère culturelle, les paysages commencent déjà un peu à changer. On est dans le Languedoc, la couleur générale est un peu différente. Sinon, vraiment, les deux grands pôles urbains de cette région, c'est Marseille et Nice, avec Monaco à côté, là. Toulon au sud, le port militaire. Et dès qu'on quitte la côte, ce sont les Préalpes et les Alpes, donc avec dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, par exemple, dès qu'on aborde vers le Luberon, le Verdon et plus haut, on est dans des zones beaucoup moins peuplées et où on trouve encore aujourd'hui le charme de la Provence de toujours. Voilà, c'est une terre qui a été romanisée très tôt dans l'histoire. Vous avez l'Italie en jaune là sur cette carte. Ce qui est en bleu, ce sont les premières provinces autour du bassin méditerranéen qui ont été romanisées. Donc on est au IIe siècle avant le Christ. Et vous voyez que la Gaule narbonnaise, donc ce qui a donné ensuite la Provence, la Provincia Romana, donc qui a donné le mot Provence et qui englobait à l'époque tout le Languedoc et le Roussillon, donc fait partie des terres romanisées très tôt dans l'expansion de Rome. Après la conquête de la Grèce, après la conquête de Carthage et de l'Empire carthaginois, c'est la Gaule. Malgré le passage des Alpes, et vous voyez que en rouge ce qui est conquis par Rome au 1er siècle avant notre ère, avec notamment toute la Gaule conquise, on le sait bien, par Jules César, il y a un petit bout de rouge qui descend vers la Méditerranée.
pour montrer que les Alpes ont été une frontière difficile à pacifier, enfin pacifier au sens romain du terme. Et c'est l'empereur Auguste qui a fait le lien entre l'Italie et la Gaule narbonnaise, donc au changement de siècle entre le premier et le premier siècle avant et le premier siècle après le Christ. Donc terre romaine qui est reliée à l'Italie par des via, par des villes, pardon, au pluriel, par des routes romaines. La Via Aurelia, celle qui passe par la côte, on la voit venir de la Turbie, où se trouve le trophée d'Auguste, justement, qui célèbre la victoire des légions romaines sur les tribus sauvages des Alpes. On arrive jusqu'à Forum Iuli, Fréjus, aujourd'hui. On remonte jusqu'à Arles, la grosse ville romaine. Nîmes, Nemausus, n'est pas très loin. Et puis, vous avez la Via Agrippa qui remonte vers le nord, vers Lyon. L'autre route qui permettait d'accéder à la vallée du Rhône, c'était la Via Domitia. Autant la Via Aurelia passait par la côte, la Via Domitia, elle, passait les Alpes avec le fameux passage du Mont Cenis où, dit-on, plus d'un siècle avant, était passé le fameux Hannibal avec ses éléphants. Voilà, Rome puissante qui quadrille le territoire. Et qui va devenir un empire chrétien à partir du IVe siècle de notre ère. Et la Provence est devenue une terre chrétienne tôt dans l'histoire et jusqu'à aujourd'hui. Vous avez ici, bon, c'est un petit exemple parmi beaucoup d'autres, mais la statue de Notre-Dame d'Afrique qui a été érigée dans le massif de l'Estérel à Théoule-sur-Mer, tournée vers le sud, évidemment, vers l'Algérie, par les rapatriés. Ceux qui revenaient d'Algérie, qui avaient quitté leur Algérie natale, et par nostalgie, et comme pour garder ce lien et demander à la Vierge de continuer à protéger leur pays natal, donc l'Afrique. Elle aussi, terre très chrétienne, terre d'Augustin d'Hippone, etc. Mais qui aujourd'hui voilà est une terre d'islam alors que la Provence est terre chrétienne. Terre chrétienne depuis longtemps. Alors nous allons parler des origines, mais en tout cas au moins depuis le IVe siècle. Et vous avez sur la photo suivante donc la basilique de Saint-Maximin dont nous allons parler bientôt. Et puis sur la droite les ruines qui ont été faites il y a une vingtaine d'années entre 20 et 30 ans. Qui ont mis à jour les restes de baptistères paléochrétiens du IVe siècle. Cela nous montre qu'au IVe siècle, à Saint-Maximin, qui n'était pas forcément une des plus grosses villes de la Provence, on avait un baptistère, donc un évêché, pour dire que le pays était, donc toute la Provence était déjà entièrement quadrillée par l'administration ecclésiastique. Donc terre parfaitement chrétienne au IVe siècle, ce qui veut dire que l'évangélisation s'était faite les siècles précédents. Voilà, et nous allons parler des origines. Alors, quand on parle des origines chrétiennes, on parle évidemment du baptême. Alors, on a parlé d'un baptistère paléochrétien. Voilà à quoi ça pouvait ressembler. Toujours une forme octogonale, le 8 étant symbole de la Renaissance, symbole de l'infini. C'est le huitième jour, après les 7 jours de la première création, on entre dans la nouvelle création en descendant dans les eaux du baptême, avec ce petit portique-là qui entoure le bassin en forme de croix, forcément. Tous les baptistères paléochrétiens reposent sur la même forme, nous verrons un peu plus tard celui de Fréjus du 5e siècle. C'est toujours le même principe, une base carrée au sol. On s'élève jusqu'à une voûte circulaire et dans la grande symbolique universelle, on passe du carré terrestre au rond céleste et le baptême est le rite initiatique qui permet le passage. C'est la question des origines. Donc dès qu'on parle des origines, on est dans une question religieuse et non pas scientifique. Et c'est pour ça que nous allons commencer par parler de la légende des Saintes Maries. Vous avez ici un tableau de Giotto. Il se trouve dans la chapelle Saint-Nicolas
dans la basilique inférieure d'Assise. Et Giotto ou ses élèves là ont représenté, bon, la photo n'est pas très claire, mais on voit cette barque qui transporte de saints personnages, on voit l'auréole, vers une terre qui est la Provence. Alors nous allons parler de cette légende, et puis ensuite, dans une deuxième partie, nous parlerons des origines plus connues, plus certifiées historiquement, qui est la grande origine monastique du 4e, 5e siècle. Alors, passons à cette... il devrait y avoir une photo avant qui nous présente les Saintes-Maries de la Mer. Tu as plusieurs photos, même avant, qui nous parle de cet accostage par cette fameuse barque, d'après la légende, la tradition orale provençale, cette barque qui transporte donc les Saintes-Maries. On est dans un récit des origines. Voilà, on va voir sur la suite, avant d'aborder Sainte-Marie de la Mer. Voilà, vous avez ici Sainte-Dévote, on est à Monaco, c'est le même récit. Vous avez une barque sans rame, livrée aux vents et aux flots, qui porte, alors ici ce n'est pas un saint vivant, mais c'est son cadavre, qui porte le corps d'une jeune fille martyrisée, donc dévote, qui va aboutir sur un lieu où les habitants du pays vont ériger une chapelle et où son culte va se prolonger. C'est un récit stéréotypé des origines. Donc, ici, nous sommes à Monaco, Sainte-Dévote. La barque amène son corps. Les habitants deviennent, s'ils sont déjà chrétiens, ils vont accueillir ces reliques et ils vont les célébrer. S'ils ne sont pas chrétiens, ils vont se convertir par le fait de cette présence fondatrice de l'Église. Et ça va être l'occasion de grandes festivités qui se prolongent jusqu'à aujourd'hui. Certes, ces grandes fêtes folkloriques naissent au Moyen-Âge, mais peu importe. On est ici devant l'église Sainte-Dévote et vous avez donc toute la population, une grande partie de la population de Monégasque qui est là. Et vous avez la barque, bon, la reproduction de la barque qui va être brûlée en hommage à Sainte-Dévote. Et vous avez ici, bon, ça c'est notre page People, le prince Rainier avec la princesse Charlène et les deux enfants qui mettent le feu donc, à cette barque. Pour commémorer cette origine de la chrétienté monégasque. La photo suivante va nous montrer un autre aspect de cette fête, mi-religieuse, mi-politique, surtout folklorique, populaire, mais voilà, ça fait partie de la vie provençale, les reliques de Sainte-Dévote qui sont portées en procession par la confrérie qui lui est dédiée. Vous avez le même récit à Nice avec Sainte Réparate, elle est ici présentée. Vous avez le même type de cérémonie, de fête folklorique là, qui célèbre Sainte Réparate. Là aussi, une jeune fille chrétienne martyrisée dont le corps est posé dans une barque qui aboutit donc dans le port de Nice. Et la cathédrale de Nice va lui être dédiée. Vous avez le même récit avec Saint Torpèze et la fondation de l'église de Saint-Tropez. Le même récit, alors pour une célébrité beaucoup plus grande, avec Saint Jacques le Majeur qui aboutit alors non plus du côté méditerranéen, mais du côté atlantique avec le fameux sanctuaire de Saint-Jacques de Compostelle. C'est donc ce récit qui sert de structure à la tradition orale des origines de la chrétienté en Provence. Une barque qui arrive ici au Sainte-Marie de la Mer. Nous sommes en Camargue. Vous avez ce qu'on voit en premier, c'est le port avec les arènes pour les corridas. Là. Mais juste derrière les arènes, vous avez au milieu de la vieille ville la basilique. Et nous allons, au fur et à mesure des photos, nous approcher de cette basilique jusqu'à pénétrer à l'intérieur.
Cette tradition donc nous relate que Marie-Madeleine, alors nous sommes ici dans la tradition occidentale qui unifie trois femmes dans les évangiles, la pécheresse du chapitre 8 de Saint-Luc qui vient répandre le parfum sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux, Marie de Béthanie, sœur de Marthe et de Lazare, et Marie-Madeleine, de qui, nous dit l'Évangile, ont été expulsés sept démons et qui est la première témoin de la résurrection. Une seule femme, donc, qui est ici donc fondatrice de l'Église de Provence et qui arrive sur barque avec son frère Lazare, avec donc son frère Lazare qui est évêque que l'on trouve dans évêque à Chypre, puis évêque à Marseille, fondateur de l'Église de Marseille, dont on trouverait également des reliques à Autun, la cathédrale Saint-Lazare à Autun. À côté de Marie et de Lazare, il y a forcément donc leur sœur, Marthe, que l'on va trouver à Tarascon avec cette tradition de la Tarasque, qu'elle terrasse, qu'elle récit de délivrance. Marcel, la servante de Marthe. Donc les principaux personnages là sont présents et c'est en leur honneur que l'on va donc bâtir cette première église qui est une architecture fortifiée du Moyen-Âge. La base est du 10e siècle, on voit surtout l'architecture du 12e, mais alors c'est une architecture fortifiée parce que la Provence, pas autant que l'Espagne, mais quand même a été très marquée par la présence des Sarrasins, donc c'est cette présence berbère, enfin de populations mélangées, mais en tout cas qui sont musulmanes. Et c'est l'origine de la Provence médiévale, c'est quand le comte Boson donc chasse les derniers Sarrasins, donc de conquérir leur dernière place forte dans le massif des Maures. Et donc va pacifier la région. Architecture fortifiée, parce que nous sommes dans une région qui politiquement a été très instable durant le Haut Moyen-Âge, mais aussi parce que nous sommes dans une région qui subit les assauts du soleil et il faut se protéger d'une chaleur excessive, donc des murs extrêmement épais. Et quand on est à l'intérieur de cette architecture, on est au frais. C'est beaucoup plus prosaïque, mais c'est aussi pourquoi nous avons cette architecture typiquement provençale. Nous sommes dans le roman provençal, c'est du massif. Il y a une simplicité qui fait la renommée d'ailleurs de cette architecture. Nous allons en reparler en conclusion. Cette basilique, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas dédiée à Marie-Madeleine, mais dédiée aux autres Maries, Marie Jacobée et Marie Salomée. On parle de ces autres saintes femmes dans les évangiles, avec notamment Marie, mère de Jacques et de José, femme de Cléophas. Voilà, donc Marie Jacobée, Marie Salomée. Ce sont donc les compagnes inséparables de Marie-Madeleine. On voit ici leur représentation dans la barque qui les a portées, avec aussi leur servante Sarah, qui est égyptienne. Alors là, on n'en parle pas dans les évangiles, on est dans la légende dorée provençale. Et donc ces saintes femmes sont, on pourrait dire, adoptées par la population locale, deviennent les matriarches de la chrétienté provençale, avec les fêtes qui vont toujours avec dans les célébrations camarguaises. Vous savez que Sarah devient la patronne des gitans. Vous avez ici donc ce pèlerinage haut en couleur de Sainte Sarah. Pèlerinage des gitans, malheureusement sur la photo la tête est coupée, bon, question de positionnement, mais donc elle est représentée noire, elle est égyptienne voire éthiopienne dans certaines traditions.
Sinon, vous avez donc les fêtes typiquement camarguaises où on promène la barque. On va évidemment dans l'eau, c'est le pèlerinage des pêcheurs, c'est le pèlerinage des gardiens. On va voir sur les photos, sur la photo suivante, les beaux chevaux camargués avec ce qu'on appelle les gardiens, donc les éleveurs de ces fameux taureaux de Camargue là. Voilà, donc on est dans la tradition la plus populaire de Provence, à laquelle évidemment les touristes s'empressent d'assister quand ils sont présents. Généralement, ça se passe au printemps ou l'été, bon, quand la météo s'y prête. Mais derrière ces Sainte-Marie, il y a aussi d'autres personnages qui ont laissé des traces dans l'histoire. Je pense en premier à Trophime. Alors, il est peu connu de nos contemporains. Trophime est le fondateur de l'église d'Arles, le fondateur légendaire. Donc, il arrive lui aussi sur la barque. Il va être, d'après la tradition provençale, le premier évêque d'Arles. Ici, vous avez le cloître de la basilique Saint-Trophime à Arles, qui est un superbe monument du XIIe siècle, avec son cloître dont les chapiteaux sont sculptés. Vous êtes vraiment là dans une architecture qui est, vous allez voir sur la photo suivante, là, un exemple de chapiteau. Vous avez par exemple la nativité là, sur le chapiteau de gauche. On est dans la plus pure tradition iconographique sculptée du Moyen-Âge là. La basilique de Saint-Trophime est également sur le chemin de Saint-Jacques au Moyen-Âge et vous avez ce fronton qui accueille donc les pèlerins sur la Via Aurelia, donc avec le Christ en gloire dans la mandorle, avec le tétramorphe, donc les quatre évangélistes, et puis donc toute la frise. On voit ici le début de la frise. Alors malheureusement en haut elle est un peu coupée, mais donc la frise du jugement dernier. Ce qu'on voit le mieux sur cette photo, c'est la fuite en Égypte avec les rois mages et le roi Hérode au centre qui trône et qui sort le sabre avec les guerriers à droite qui vont tuer les saints innocents. Donc on a toute cette Bible de pierre qui accueille et qui évangélise une population locale et une population de pèlerins qui n'est pas forcément lettrée. Donc à côté de Saint-Trophime, vous avez différents personnages peu connus, mais qui jouent un rôle important dans la tradition provençale. Vous avez Eutrope, par exemple, Saint-Eutrope. Vous avez ici, alors, on n'a pas retrouvé de basilique Saint-Eutrope à Orange, fondateur de l'église donc, d'Orange, dans la vallée du Rhône. Mais vous avez ici cette colline, avec des restes paléochrétiens par-dessus, des restes de basilique. C'est la colline Saint-Eutrope. Et vous avez sur la gauche le fameux théâtre romain qui s'appuie justement sur le relief, qui est le plus beau théâtre romain, le mieux conservé du monde antique. Bon, ce n'est pas notre sujet, mais voilà, c'était juste pour rappeler donc la présence d'Eutrope sur cette barque. Il y a également la présence de Sidoine, qui est l'aveugle né de l'Évangile. Je vous renvoie au chapitre 9 de l'Évangile de Jean. Il y a donc à côté de Sidoine son maître spirituel qui est Maximin, un des disciples du Christ, un des 72. Saint Maximin qui va jouer un rôle important dans la vie de Marie-Madeleine, puisque c'est lui qui va l'accompagner jusqu'à la Sainte-Baume et qui va la recueillir son dernier souffle. À côté, il y a alors Saint Parménias, diacre, fondateur de l'église d'Avignon. Il y a également Saint Saturnin, fondateur de l'église de Toulouse. Il est allé un peu plus loin. Vous avez à Toulouse la fameuse basilique Saint-Sernin. Et puis, enfin, Saint Martial, qui est lui fondateur de l'église, alors c'est encore plus loin, de Limoges, avec la cathédrale de Limoges, qui est la cathédrale Saint-Martial. Donc, pour dire que de Provence, c'est toute la chrétienté de Gaule, en tout cas de l'ouest, du sud et de l'ouest de la Gaule, qui est présente. C'est la grande origine de l'évangélisation de la Gaule
avec l'autre origine qui est, elle, lyonnaise, avec évidemment Saint-Irénée. Bon, Sainte-Blandine et Saint-Irénée. Donc, revenons à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle est dans la première tradition provençale, une évangélisatrice. Elle est missionnaire. Vous avez ici un tableau qui représente Marie-Madeleine évangélisant, prêchant la bonne parole, prêchant le Christ mort et ressuscité aux pécheurs de Marseille. Fondatrice de l'église de Marseille avec son frère Lazare. Ça, c'est la première tradition missionnaire, donc première tradition provençale, elle est missionnaire. La deuxième tradition provençale, un peu postérieure, va être une tradition érémitique. Après en avoir fait le modèle du missionnaire, de l'apôtre, l'apôtre des apôtres, c'est le titre officiel de Marie-Madeleine, on va faire de Marie-Madeleine le modèle des moines, démoniales, avec cette fameuse grotte de la Sainte-Baume dans laquelle nous allons pénétrer tout à l'heure, mais vers laquelle nous allons progressivement nous approcher au fur et à mesure des photos. Ici, vous avez donc le massif de la Sainte-Baume avec cette grande falaise là qui domine toute la plaine avec le Saint-Pilon, c'est la petite chapelle tout en haut. On est à presque 1000 mètres d'altitude, la plaine étant à moins de 400 mètres. Donc une falaise assez impressionnante, et au cœur de cette falaise, il y a donc la fameuse grotte. Nous allons nous en approcher tout doucement, et nous allons faire un petit détour méthodologique pour parler de la valeur à accorder à cette tradition des origines. Alors, vous savez que bon, les modernes ont remis en cause donc toutes ces traditions orales, ces récits des fondations des différentes chrétientés. On est dans des récits purement légendaires, disent les modernes, qui n'ont aucune valeur historique, aucune. C'est à voir. Le problème, c'est qu'il y a une erreur justement de méthodologie. Nous posons la question, généralement, faut-il croire à ces traditions ou pas ? Mais la question ainsi posée nous renvoie à une question de foi, de croyance, de religion. Or, si on veut être dans une démarche scientifique, il ne faut pas poser la question ainsi, faut-il croire à la tradition ou pas ? Il faut poser la question de cette façon, que me dit la tradition du passé ? Parce que la tradition n'est pas un article de foi auquel il faudrait ajouter, auquel il faudrait ajouter foi ou au contraire renier. Mais la tradition orale, la tradition provençale, puisque nous parlons d'elle, n'est pas un article de foi, mais c'est une source historique, c'est une trace archéologique parmi d'autres. Donc, en tant que trace archéologique, elle nous dit quelque chose du passé. Donc, la question, ce n'est pas faut-il y croire ou pas, c'est que me dit cette tradition du passé ? Cette tradition, c'est une source historique. Elle est d'abord orale, bien sûr, mais elle est aussi écrite. Alors, l'écrit vient toujours après l'oral. L'écrit est assez tardif. Les premiers manuscrits que nous avons, de façon sûre, sont du 9e siècle. C'est une vie de Marie-Madeleine, écrite par Raban Mor, évêque de Fulda, au 9e siècle. Déjà auparavant, Grégoire le Grand, donc Grégoire Ier, évêque de Rome, mort en 604, donc nous sommes, on va dire, à la fin du 6e siècle. Donc Grégoire le Grand parle de Marie-Madeleine et parle de sa présence en Provence, et c'est lui qui, on pourrait dire, définitivement assure à la tradition orientale l'unité des trois femmes en une seule, Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et la pécheresse pardonnée de l'Évangile de Luc.
Rabban Mor, quand il écrit sa vie de Marie-Madeleine, s'appuie sur une vie de Marie-Madeleine qui date du 5e siècle, que nous n'avons plus, sinon par bribes, qui se trouve dans la vie de Rabban Mor et surtout dans différentes liturgies de différentes églises d'Occident. Ce sont des légendes. Mais attention, le mot légende, ce n'est pas récit fictif purement inventé. Le mot légende signifie legenda en latin, ce qu'il faut lire, donc texte liturgique que l'on lisait, que l'on chantait lors de la fête du Saint. Donc lors de la fête de Sainte-Marie-Madeleine, dans l'église qui lui était dédiée et dans toutes les églises d'Occident, on chantait ces légendes. Donc ces textes reposant sur les traditions orales et donc mises par écrit pour les besoins liturgiques, donc enchanter ces récits. Vous voyez que nous nous approchons peu à peu de la grotte. Nous montons progressivement vers la grotte de Marie-Madeleine. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas de savoir si la tradition est juste ou si elle est fausse, mais c'est de se dire qu'elle nous dit quelque chose du passé, c'est une source historique, donc nous faisons un travail d'historien, nous la prenons et nous la critiquons au sens du verbe grec kritein, nous la passons au crible. Elle nous dit quelque chose du passé, mais quoi ? Qu'a fait Marie-Madeleine après la résurrection ? Elle a, de toute évidence, évangélisé, elle est partie. Alors, nous n'avons pas de présence de Marie-Madeleine ailleurs qu'en Provence. Peut-être à Éphèse, il y aurait une Marie d'Éphèse que l'on a assimilée à Marie-Madeleine, mais nous sommes en Orient et en Orient, on distingue trois femmes différentes. Bon. En tout cas, la tradition provençale est unique à travers toute l'histoire de l'Église. Donc, pourquoi ne pas dire qu'elle est allée en Provence, après tout. Historiquement, je n'ai pas de raison de dire que la tradition est fausse. Je ne peux pas la confirmer historiquement, mais je ne peux pas non plus l'infirmer. Il y aurait une objection, c'est celle de dire que Jean Cassien n'a pas parlé de Marie-Madeleine. Jean Cassien, c'est le grand moine du 5e siècle dont nous allons parler. Très bientôt, Jean Cassien ne parle pas de Marie-Madeleine. Oui, mais cette objection peut être retournée en disant peut-être que Marie-Madeleine était tellement présente en Provence, cette tradition était tellement bien ancrée au 5e siècle que ce n'était pas la peine d'en parler, après tout. Bon, en tout cas, ici, vous entrez dans le sanctuaire de Marie-Madeleine, au pied de la falaise de la Sainte-Baume. Vous avez un panneau qui nous présente le lieu et qui nous dit qu'au 5e siècle, ici, se sont installés des moines cassianites, donc des moines qui venaient de Saint-Victor de Marseille, le monastère fondé par Saint-Jean Cassien. Il y a une présence monastique justement dans cette grotte dès le tout début du 5e siècle, peut-être parce que cette grotte était déjà vénérée. Alors on sait que bon, cette grotte étant avec un très beau paysage, avec la présence de l'eau dans la grotte, elle était déjà un sanctuaire païen, elle a très tôt été évangélisée forcément. Les sanctuaires, peu importe la religion, sont toujours les mêmes. On construit une église sur un ancien temple païen et quand c'est une nouvelle religion qui s'installe, comme on voit dans les pays d'islam, l'église est transformée en lieu de culte de la nouvelle religion qui domine. Mais ce sont toujours les mêmes lieux. Et la grotte de Saint-Maximin, la grotte de la Sainte-Baume, avait vocation, on pourrait dire, naturellement,
à devenir un lieu saint, du fait de sa position et de son ambiance. Marie-Madeleine, dans la tradition occidentale, c'est une seule femme, c'est la femme qui, dans les évangiles, est au pied de Jésus. Et vous avez, donc, une fois que vous êtes rentré dans la grotte, au pied de ce crucifix, vous avez la représentation de Marie-Madeleine qui est en adoration devant son rabouni, comme on dit dans l'évangile de Jean. C'est la femme qui va être, on a ça avec dans l'évangile de Jean, le récit de Marthe et de Marie, la femme qui est au pied de Jésus et qui l'écoute. C'est donc le modèle, on pourrait dire, de tous ceux qui écoutent le Christ. Et donc, elle est devenue, après avoir été le modèle des apôtres, le modèle des moines, de ceux qui se mettent à l'écoute du Christ. Le modèle des priants. Vous avez donc sur cette photo, voilà au cœur, là vous avez une statue qui est récente, qui représente Marie-Madeleine en prière. Alors là, on retourne dans la légende dorée. Qui nous dit que 7 fois par jour, elle était portée par les anges jusqu'au sommet du Saint-Pilon en prière. Vous avez sur cette photo, là, avant de passer aux suivantes, sur la droite, un creux, donc une grotte dans la grotte, on pourrait dire, qui est le lieu du premier monastère, donc au 5e siècle, et c'est le lieu où se trouve l'eau. Il n'y a pas de présence humaine s'il n'y a pas d'eau. Ça, c'est une règle générale, universelle. Dans cette grotte, il y a de l'eau, il y a une source. Donc, il y a eu une présence humaine. Sur les photos suivantes, nous allons voir le Saint-Pilon, voilà, au-dessus de la grotte. Donc, il faut faire un grand détour, évidemment, pour monter au-dessus de la... pour monter tout en haut de la falaise, d'où on a une vue imprenable à 360 degrés, hein, sur toute la Provence. Le Saint-Pilon, c'est le lieu justement où nous dit la légende dorée, Marie-Madeleine était là, ravie en extase et en contemplation du Christ. On peut passer rapidement aussi sur la photo suivante. Voilà, on a un pèlerinage à cette chapelle du Saint-Pilon, d'où on découvre toute la vallée d'Aix-en-Provence. En face, si on se tournait un peu, on aurait la montagne de Sainte-Victoire, bien connu par le peintre Cézanne. Vous avez ici donc à l'hôtellerie de la Sainte-Baume ces tableaux là qui représentent la vie de Marie-Madeleine, et c'est ici sa dernière rencontre. Donc elle a quitté la grotte, elle est donc au seuil de la mort, elle descend dans la plaine, elle est accueillie par Maximin, Saint Maximin, le personnage qui est sur la droite, qui porte la crosse de l'évêque et évêque de Saint-Maximin, fondateur de cette église locale. Et c'est en ce lieu où Maximin accueille Marie-Madeleine, et là où il va recueillir son dernier souffle, où il va lui fermer les yeux, que va s'élever donc le mémorial sur le tombeau de Marie-Madeleine, cette basilique qui est le seul grand exemple. Non, il y en a un autre à Avignon, mais c'est voilà. Il n'y a que 2 grands exemples de gothique en Provence, Saint-Maximin et le Palais des Papes à Avignon. Donc là, on est dans une architecture plutôt du nord de la France, mais qui s'importe au XIIIe siècle, donc dans le sud. Cette basilique domine la petite ville de Saint-Maximin. C'est un chef-d'œuvre gothique. Et à l'intérieur, on va découvrir donc une immense basilique qui a été construite pour honorer donc Marie-Madeleine. On peut passer donc avec les photos suivantes. Voilà donc d'autres vues de cette basilique avec devant nous donc le couvent royal. Ici nous sommes à l'intérieur. Avec dans cette gloire, au fond, on se croirait presque à Saint-Pierre de Rome. On est dans une architecture gothique typiquement du XIIIe siècle, là, avec ces grandes verrières. On est très loin, évidemment, ici de l'architecture des Saintes-Maries de la Mer,
de l'architecture romane traditionnelle en Provence. Juste un petit mot très rapide, la grande différence entre le roman et le gothique, c'est dans les voûtes qu'on le remarque. Vous allez voir ça sur la photo suivante. Voilà, ici vous avez des voûtes d'ogive. La voûte romane, c'est une voûte en berceau. Donc la voûte en berceau, c'est le mur qui porte. La voûte d'ogive, et là vous les voyez très bien, ce n'est plus le mur qui porte, ce sont les piliers. Si bien que le mur qui se trouve entre les piliers, n'étant plus porteur, peut être ouvert et peut laisser la place à des vitraux. Et donc l'architecture gothique a cet immense avantage de pouvoir laisser rentrer la lumière à flot à l'intérieur de l'église. D'ailleurs, là sur cette photo, la lumière est un peu trop rentrée puisque nous sommes dans une surexposition, nous sommes dans le cœur. Nous nous retournons, vous avez donc l'ouest, c'est une église orientée bien sûr. Donc à l'ouest, vous avez donc ce grand orgue célèbre en Provence. C'est un des plus beaux orgues d'Occident. C'est un orgue du fameux Jean-Esprit Isnard, moine du 18e, maître d'œuvre du 18e. Et vous avez quasiment l'intégralité des tuyaux d'origine. Donc les 3000 tuyaux d'origine là sont présents. C'est un superbe instrument qui permet d'offrir évidemment l'été tout un festival de musique. Bon. Je vous disais, cette basilique, c'est un mémorial construit sur une crypte dans laquelle se retrouvent des ossements mis à jour en 1279, notamment ce chef attribué à Marie-Madeleine. Vous avez donc le reliquaire, les anges qui portent le buste, et ce crâne qui serait celui de Marie-Madeleine. On a notamment, malheureusement la photo est un peu tronquée, sur le front vous avez un reste de chair conservé qui serait le lieu où Jésus ressuscité a posé ses doigts en disant « Noli me tangere, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore remonté vers mon père et votre père », etc. Donc c'est l'évangile de Jean que l'on connaît bien. Donc c'est Marie-Madeleine, recueillie ici à Saint-Maximin, redécouverte à la fin du XIIIe siècle par les moines dominicains et authentifiée par les autorités ecclésiastiques de l'époque. Les dominicains construisent la basilique, s'installent juste à côté avec ce grand couvent, ce couvent royal. Donc on est à la période politique de la famille d'Anjou. C'est le frère, enfin à l'époque c'est le neveu de Saint-Louis qui est comte de Provence. La Provence est encore indépendante mais déjà dans l'orbite du royaume de France. Il faudra attendre deux siècles encore pour que la Provence intègre complètement le royaume de France. Voilà, on est dans un sanctuaire qui est entièrement, donc, qui accueille les pèlerins pour célébrer Marie-Madeleine, ce qui provoque l'ire, la jalousie, la querelle des moines bénédictins qui détenaient le sanctuaire de Vézelay et qui, auparavant, au XIIe et au début du XIIIe siècle, avait accueilli les foules auprès de Marie-Madeleine dans cet autre mémorial qui est la fameuse basilique de Vézelay, de la Madeleine de Vézelay, que certainement vous connaissez. C'est une de nos plus belles basiliques, une de nos plus belles églises. On est en plein XIIe siècle, début XIIIe. C'est le grand pèlerinage de Vézelay avec... les reliques de Marie-Madeleine qui, à la fin du XIIIe siècle, sont donc déclarées fausses. Grand problème, vous savez que le culte des reliques au Moyen-Âge, c'est un enjeu financier énorme. Donc du coup, cette querelle monastique remonte jusqu'au pape et le pape va trancher
en demandant aux Dominicains d'envoyer une partie des reliques de Saint-Maximin jusqu'à Vézelay pour sauver économiquement donc le pèlerinage de Vézelay. On ne résiste pas à voir l'intérieur de cette basilique. Là, c'est une photo d'archive, on n'a pas les bancs. C'est vraiment un lieu qui est merveilleux. On comprend l'engouement de tous nos poètes, de Charles Péguy et de tant d'autres là, pour cette basilique. Bon, laissons maintenant Marie-Madeleine et la tradition provençale des origines et partons pour une autre origine plus récente, entre guillemets, en tout cas plus fondée historiquement, c'est la présence monastique, les débuts de la grande aventure monastique provençale. Alors, on a la fondation de l'église de Lyon au IIe siècle avec Saint Potin, Saint Irénée. Mais on a une autre grande fondation qui est en Provence, ici à Marseille, donc retour à Marseille. L'église est déjà présente, il y a déjà des évêques, on ne sait pas trop depuis quand, mais en tout cas, quand Jean Cassien arrive à Marseille, l'église est déjà bien implantée et toute la population locale, toute la population provençale est déjà chrétienne, si bien que cette église provençale va pouvoir s'épanouir dans la vie monastique. Saint Jean Cassien, donc, est un. Alors, on ne sait pas trop d'où il est, on hésite encore. Certains disent qu'il est de Siti. Alors là, ce sont quelques photos qui vous montrent la Provence, la Marseille. Des origines grecques pour dire que voilà, on est vraiment dans l'Antiquité. La Marseille grecque devient romaine et puis devient chrétienne et vous avez ici donc la basilique Saint-Victor construite sur le lieu présumé du martyr de Saint-Victor, légionnaire romain, en tout cas le lieu où aboutissent ces reliques. Au pied de Notre-Dame de la Garde, bien connue de tous les Marseillais. C'est la bonne mère. Et au pied donc, de cette basilique dédiée à Marie, vous avez cette autre basilique, beaucoup plus ancienne, qui donne sur le Vieux-Port, qui est la basilique Saint-Victor, où s'installe Jean Cassien et où il fonde donc, le premier grand monastère d'Occident. On est bien avant Saint-Benoît. On est bien avant les moines irlandais qui évangélisent le nord de l'Europe. On est au tout début de la vie monastique en Provence, en Occident. Saint Jean Cassien a fait un grand voyage en Orient auprès de tous les grands maîtres du monachisme de Palestine, de Syrie, d'Égypte surtout. Il est passé dans le désert de Sété, dans le désert de Nitré. Il s'est mis sous l'enseignement de Saint Évagre le Pontique. Il passe à Constantinople où il devient disciple de Saint Jean Chrysostome. Et ayant recueilli toute la tradition orientale, il revient peut-être dans son pays d'origine, si tant est qu'il soit provençal. Et ici, accueilli par l'évêque Proculus de Marseille, il fonde cette école monastique, où il va transmettre, à travers son enseignement et ses textes, toute la tradition du monachisme oriental. Saint Jean Cassien a un rôle capital dans toute l'histoire de l'Église d'Occident, puisque c'est par lui que Saint-Benoît va connaître donc, la tradition d'origine du monachisme. Saint-Jean Cassien donc, va s'installer ici. On va construire au XIIe siècle, comme toujours, reconstruire le monastère, une très belle basilique. Qui repose sur une crypte et c'est cela qui nous intéresse. Nous descendons dans la crypte et là nous sommes dans les
dans les origines paléochrétiennes, donc nous sommes au IVe siècle. Vous avez ici la chapelle dite de Saint-Cassien avec le sarcophage qui serait celui de Saint-Cassien, peut-être représenté au centre, là, sur ce sarcophage du IVe siècle, un jeune homme avec une toge romaine enseignant, avec ses disciples sur les côtés, et sur la gauche, vous avez une famille qui offre un enfant au monastère. Donc, on est remonté là, donc, aux origines paléochrétiennes. Vous allez voir quelques autres exemples de sarcophages paléochrétiens. On est dans une crypte funéraire. Ici, c'est un sarcophage toujours du IVe siècle, dit des compagnons de Saint-Maurice, qui représenterait en fait les différents épisodes de la vie de Saint-Paul. On reconnaîtrait sur la gauche la lapidation de Saint-Paul, puisqu'il dit dans une de ses lettres qu'il a été lapidé à une époque. Juste à côté, donc en partant de la gauche, la deuxième scène, c'est Saint-Paul qui est sur le chemin de Damas. Il voit le Christ lui apparaître, etc. Sur le sarcophage suivant, on va avoir un autre style, donc plus stylisé. On est vraiment ici dans une iconographie chrétienne. Vous avez au-dessus, dans un rond, le chrisme, qui est le chri et le rho, les deux premières lettres grecques du mot Christos. En dessous, vous avez l'agneau de Dieu, entre ces deux palmiers, là. Toujours un sarcophage du IVe siècle. Sur le suivant, on le verra après. Ici, vous avez la chapelle dite de Saint-Lazare avec une sculpture, là, elle est d'époque 17e, mais une sculpture représentant un bas-relief représentant Marie-Madeleine avec le crâne qui est le symbole de la pénitence et de la méditation chrétienne. Le Saint-Lazare, alors qui est ce Saint-Lazare? Ben, évidemment, c'est Saint-Lazare de la tradition provençale. Que l'on a probablement confondu avec un Saint-Lazare évêque du 5e siècle, évêque d'Aix-en-Provence. Bon, peu importe, en tout cas, on est toujours dans ses origines paléochrétiennes. Et on a, pour terminer, donc un sarcophage dit d'Abraham, qui serait le sarcophage de Saint-Victor, qui repose, lui, non pas dans la crypte, mais dans la basilique. Et vous reconnaissez sur la gauche le sacrifice d'Abraham avec cet homme debout qui tient le poignard qui s'apprête à tuer son fils, et puis la main divine qui arrête le bras et qui désigne le bélier qui va remplacer donc Isaac. Vous avez au centre c'est le Christ qui apparaît, le Christ ressuscité, et sur la droite vous avez la guérison de l'aveugle-né, le Christ qui touche les yeux de cet homme-là, qui tient une canne, le fameux Sidoine de la tradition provençale. Voilà, donc, lieu très important que Saint-Victor, peu connu malheureusement, au cœur de Marseille. Saint-Victor a rayonné sur toute la Provence et bien au-delà par les écrits de Saint-Cassien. Mais il y a un autre lieu à l'opposé de la Provence, donc dans la Provence orientale, qui a joué un rôle peut-être tout aussi important que Saint-Victor à Marseille, c'est Saint-Honorat. Alors, vous avez ici le massif de l'Estérel, donc sur la gauche, Fréjus-Saint-Raphaël. Ici, la cathédrale de Fréjus, avec la mairie. Et puis, surtout, ce qui m'intéresse, c'est le baptistère paléochrétien, dans le prolongement ouest de la cathédrale. La photo n'est pas très belle, mais elle nous montre bien voilà, la voûte. Là, on voit bien donc, ce type de baptistère typiquement du IVe, VIe siècle. On passe d'un plan octogonal, donc le 8, à un plan circulaire en haut, donc la base est carrée. Ensuite, on a 8 niches. On passe au-dessus à 16 fenêtres. 8 qui sont ouvertes, 8 qui sont murées, et on termine avec le rond, donc vous voyez, toute la symbolique du baptême, hein. On passe de la terre au ciel. Baptistère paléochrétien qui nous montre qu'au IVe siècle, l'église de Fréjus est
prise dans cette organisation ecclésiastique. On est vraiment ici en territoire chrétien. Et le fameux Honorat, il est contemporain de saint Jean Cassien. Donc cet Honorat arrive à Fréjus. On ne sait pas trop d'où il est, pareil. Et il va, après être allé lui aussi en Orient, alors son voyage prend moins de temps, il va juste en Grèce et puis il revient. Il est accompagné par Vénance, son frère, qui meurt en Grèce, et par Capré, son maître spirituel. Après ce détour vers l'Orient, il revient donc peut-être dans son pays natal, en tout cas en Gaule, et il va demander à Saint Léonce, évêque de Fréjus, au début du 5e siècle, donc un lieu solitaire. Il va d'abord se recueillir en plein cœur du massif de l'Estérel, dont nous voyons ici quelques belles photos, dans un ermitage qui est dit de Saint Honorat, dans une grotte où il y a de l'eau, forcément, s'il y a de l'eau, on peut s'y installer. Voilà, la grotte de Saint Honorat, où il va passer un certain nombre d'années. Et puis, comme il attire les foules, sa réputation de sainteté se répand, il va aller encore plus lointain, plus loin, et il va s'exiler sur une île. Alors, quand on est en haut de l'Estérel, on voit ces îles de l'Hérens, là, l'île dite de Sainte-Marguerite à droite, l'île de l'Hérens que nous avons ici avec le monastère actuel. Sur cette île, Saint Honorat va se retirer et va vivre une vie monastique qui va attirer. On a beau se retirer, on finit par attirer. Le solitaire ne l'est jamais très longtemps. Et cette vie de solitude va devenir une vie en communauté. Et de ce monastère de l'Hérens vont sortir des moines dont on va faire des évêques à travers toute la Provence. On va s'approcher peu à peu avec les photos de ce monastère. Vous avez ici le monastère fortifié, donc à l'époque médiévale, il fallait se protéger de la géopolitique tourmentée. Vous avez ici une petite chapelle très intéressante. Alors, elle est relativement récente, mais elle rappelle que Saint Honorat était un ensemble de petits ermitages dans la tradition orientale du monachisme avec différentes laures, et les moines ne se retrouvaient à l'église commune que pour la liturgie. Chacun vivait dans son ermitage. Vous avez ici une petite chapelle dédiée à la Trinité. Ça me permet juste de dire que quand on parle des moines, on parle en fait d'une organisation qui a joué un rôle fondamental dans le développement de l'Église, et notamment dans le développement de la dogmatique, de l'enseignement de l'Église. Quand on parle, par exemple, de la Trinité, donc quand on est dans toutes ces querelles sur la nature du Christ, sur qui est Dieu, comment le concevoir, etc., toutes ces querelles du premier millénaire, les moines ont joué un rôle considérable. Et dans leur vie monastique, ils ont, on pourrait dire, de façon empirique, ils ont vécu ce qui ensuite allait être enseigné par l'Église. Voilà, bon, ça c'était un petit aparté pour dire que quand on parle de l'essor monastique, en fait, on est vraiment au cœur de l'expansion de l'Église. Là où le monachisme s'éteint, a priori, l'Église est mal en point. Là où le monachisme se répand, a priori, l'Église est en croissance. Bon, je vois que j'ai dépassé mon temps. Il faut que j'avance un peu. En tout cas, juste pour dire que le monastère de l'Hérens a eu une postérité incroyable parce que déjà, il y a un fameux Patrick, Saint Patrick, qui a été moine à l'Hérens. Et qui, vous avez déjà la couleur verte de la vigne là, qui nous parle un peu de la Saint-Patrick. Je ne sais pas d'ailleurs d'où vient ce vert, peut-être parce que l'Irlande est un pays réputé pour sa verdure. Donc Saint-Patrick, évangélisateur de l'Irlande, qui nous parle d'ailleurs, je vous parlais de la Trinité, le trèfle, symbole de la Trinité, et le symbole de l'Irlande, le logo de l'Irlande. Et donc Saint Patrick, à travers lui, transmet toute la tradition du monachisme,
dans le nord de l'Europe. Et alors, peut-être pas lui, mais en tout cas ses successeurs, et on pense notamment à Saint Colomban, etc. Et ensuite, après les Reims, après les moines de Saint Colomban, arrive Saint Benoît. Et juste une petite photo qui nous permet, alors là, nous avons Saint-Guilhem-le-Désert. À quelques kilomètres, vous avez le village d'Agnan et vous avez un autre Saint-Benoît, Saint-Benoît d'Agnan, qui fut, on pourrait dire, ministre des cultes de l'empereur Charlemagne au début du IXe siècle. Et c'est Saint-Benoît d'Agnan qui imposa la règle de Saint-Benoît de Nursie, la règle bénédictine, à tous les monastères d'Occident. Et Saint-Benoît de Nursie, italien, donc avait recueilli toute la tradition du monachisme oriental par les écrits de Saint Jean Cassien et par tout ce qui avait été transmis par le monastère de Lérins. C'est vous dire que les origines de la chrétienté en Provence intéressent toute la chrétienté. Voilà, je voudrais juste conclure très rapidement. Nous avons donc des origines qui sont glorieuses. Quelle est la suite? Alors, un petit exemple pour le Moyen-Âge. Je vous donne des photos de cette abbaye du Thoronet qui est, on pourrait dire, la quintessence de l'architecture cistercienne avec ses jeux de lumière. C'est pour dire que l'architecture cistercienne, elle s'est répandue à travers toute l'Europe à partir de sitôt, mais la pureté, la plus grande pureté de cette architecture est en Provence. Un autre exemple de l'épanouissement de la chrétienté en Provence, c'est, voilà, vous avez ici des santons. On est au XVIIe, on est surtout au XVIIIe siècle. La chrétienté populaire, à la suite de saint François d'Assise au XIIIe siècle, éprouve le besoin de représenter, de rendre sensibles les mystères de la foi. Et ce que nous avons maintenant dans toutes nos crèches est né en Provence, pour dire qu'il y a en Provence une sensibilité, à partir de cette semence des origines, peut-être à partir de Marie-Madeleine, en tout cas on a un épanouissement qui s'est répandu à travers tout le monde, à travers cette façon de vivre la foi dans la sensibilité, jusqu'au fond des maisons. D'ailleurs, c'est intéressant toutes les querelles qu'il y a à propos de la crèche hein, dans l'espace public ou autre. C'est toute la présence de la foi dans la vie quotidienne, à l'intérieur même de l'intimité des citoyens. C'est très intéressant. Bon, dernier exemple, il est actuel. On est au cœur du massif des Maures. On est à quelques kilomètres de Saint-Tropez et pourtant on est dans une sorte de solitude. Et là, vous avez un monastère qui est la Chartreuse de la Verne. Voilà, on le voit bien en cœur de cette sauvage forêt du Massif des Maures. Un monastère qui a été entièrement reconstruit. C'était une ruine, un monastère de Chartreux du XIIe siècle. Il a été entièrement reconstruit par des petites sœurs de Bethléem. Et aujourd'hui, quand on le visite, on a l'impression que c'est un lieu qui est tout récent. Et de fait, et ça vous montre le côté dynamique de l'Église de Provence d'aujourd'hui, où on est capable de redonner vie à la vie monastique et à des lieux monastiques. Et ce lieu de la Chartreuse de la Verne, qui accueille les touristes, est un haut lieu de prière et de transmission de la foi. Voilà, terminons sur un beau coucher du soleil, comme il se doit, sur la Camargue. J'ai beaucoup trop parlé, mais si vous avez encore quelques questions, donc on peut prendre peut-être quelques minutes. J'essaierai d'être bref dans mes réponses. N'hésitez pas, donc, je suis à votre disposition. Je rends l'antenne à Vianney. Merci. Merci beaucoup, François, pour cette plongée dans l'histoire et en Provence. En effet, on va prendre un petit temps de questions-réponses maintenant, si vous le souhaitez. Je vois qu'il y a déjà quelques questions qui arrivent. Nous avons Maria qui demande si la Sainte-Baume est peut-être considérée comme le troisième sanctuaire de la chrétienté.
Alors, pourquoi pas, hein. Effectivement, il y a Rome, Saint-Jacques et la Seine-Baume. Bon, on pourrait dire que le premier, c'était évidemment Jérusalem, mais avant les croisades, Jérusalem était quand même très difficile d'accès. Les croisades, c'est un épisode d'un siècle à peu près, bon, parce que dès le début du XIIIe, Jérusalem revient dans le giron de l'islam. Donc, c'est vrai que la Seine-Baume a été une alternative possible au pèlerinage plus lointain, donc pourquoi pas dire que c'est le troisième, pourquoi pas. Nous avons Jérôme qui demande, pourriez-vous nous dire quelques mots sur les origines des abbayes cisterciennes, Silvacane, Sénanque, Thoronet, merveille de notre patrimoine provençal? Alors, bon, alors très rapidement, Sénanque est une sœur du Thoronet. Les deux ont été fondées par l'abbaye de Mazan, elle-même fondée par l'abbaye de Bonnevaux, elle-même fondée par l'abbaye de Cîteaux. Donc nous sommes à la quatrième génération de cisterciens. Cela dit, le Thoronet et Sénanque ont été fondés dans les années 1130. Donc, on est une trentaine d'années après la fondation de Cîteaux. C'est très rapide. Silvacane a été fondée par, j'ai oublié le nom, ça va me revenir, Bonnevaux, je crois, qui est une fille de. Non. J'ai oublié. Enfin, en tout cas, Silvacane est une petite fille de Cîteaux, donc c'est une autre filiation. Mais les trois, c'est l'architecture provençale typique et les trois sont très belles. Même si je pense que le Thoronet, enfin, les spécialistes ont une petite préférence pour le Thoronet quand même. Donc une question de Michel-Antoine qui demande, l'hypothèse de Pierre Perrier sur Thomas en Chine vous semble-t-elle plausible? Ben ça tombe bien parce que je suis en train de m'intéresser à la question. Oui, bien sûr, c'est plausible, pourquoi pas. Après, ce sont des questions de spécialistes, donc il va falloir certainement quelques décennies avant de creuser tout ça. Quand on fait un travail d'historien, on fait un travail d'interprétation à partir de sources. Or, il se trouve qu'effectivement, on a quelques sources qui pourraient être interprétées chrétiennement plutôt que bouddhiquement. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je dirais, j'ai le même argument positif pour saint Thomas en Chine que pour Marie-Madeleine en Provence. On ne peut pas infirmer, alors pourquoi ne pas confirmer? Myriam nous demande comment se fait le lien entre la mission de Marie-Madeleine et le monachisme plus tardif? Alors, le premier lien, je l'ai évoqué, c'est à la Seine-Baume avec la présence des moines de Saint-Cassien sur le lieu où Marie-Madeleine aurait fait pénitence toute la fin de sa vie. En tout cas, dans la tradition provençale, Marie-Madeleine vit en recluse, donc vit une vie de moniale, et elle devient, on pourrait dire, le modèle de tous les moines en tant qu'amoureuse du Christ. Donc c'est une, alors bien sûr c'est une relecture, mais en tout cas si elle est venue en Provence, ça paraît logique que l'on ait très tôt vénéré la grotte de la Seine-Baume. Un spectateur anonyme nous demande, les événements qui nous sont rapportés étant suffisamment nombreux, n'y a-t-il pas un ou plusieurs faits historiques avérés qui nous fassent dépasser cette prudence visant à dire qu'il ne s'agit que de légendes? Alors, encore une fois, le mot légende est à prendre étymologiquement parlant. Plutôt que de légende, parlons de fiction. Alors, est-ce que c'est une fiction ou pas? Non, mais non, ce n'est pas une fiction puisque nous avons une tradition. Est-elle vraie, est-elle fausse? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle existe. Et il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de tradition sans quelque chose d'historique en dessous. Ce quelque chose, par contre, est très difficile à déterminer, c'est le travail des historiens, sachant que quand on parle de Marie-Madeleine et de la tradition des Saintes Maries, on est dans un récit des origines, je dirais même des origines avec un O majuscule, donc on quitte le domaine de la science pour entrer dans le domaine de la religion. La science ne peut dire quelque chose que si elle a des traces. Alors, est-ce que les reliques qui sont à la Seine-Baume sont vraiment les reliques de Marie-Madeleine? La science ne pourra jamais déterminer. Au pire, elle pourra dire, ben, et elle le dit, c'est un corps du premier siècle. Bon, voilà.
Après, il n'y a pas le nom de Marie-Madeleine gravé sur les ossements. Alors, il faudrait. Alors, je ne sais pas, est-ce que par l'ADN ou autre, mais ça dépasse mes compétences. Mais bon. Ouais. Nicole nous demande, à l'abbaye Saint-Victor, des messes sont-elles toujours célébrées? C'est un lieu de culte qui est toujours, donc qui dépend du diocèse de l'archidiocèse de Marseille. Donc, c'est un lieu qui est toujours en activité, si je puis dire. Oui. François Matigny nous demande, pouvez-vous dire quelques mots sur Sainte-Anne à Apt? Eh bien, effectivement, la tradition provençale est de loin antérieure à la tradition bretonne, enfin, même si pour la Bretagne, c'est une apparition de Sainte-Anne. Mais là, on serait plutôt dans, si on veut rester dans quelque chose d'à peu près sûr, on serait plutôt dans une tradition croisée où des reliques de Sainte-Anne donc ont été rapportées par une famille croisée. Donc, on est au XIIe siècle. Michel-Antoine demande de quand datent les noms de lieux comme Sainte-Marie-de-la-Mer, Saint-Maximin, la Sainte-Baume? Avec une implication évidente, est-ce qu'il existe dans le pourtour méditerranéen d'autres clusters de noms de lieux autant significatifs que dans ce coin de la Provence? Ben, c'est évidemment un des arguments en faveur de la tradition provençale. Alors, il y a bon, évidemment la Grèce avec Éphèse, bon, la maison de Marie, etc. Bon, mais c'est vrai que de lieux appelés Saint-Maximin, Sainte-Marie-Madeleine, etc., c'est la Provence. Hein, c'est oui. Donc, étant donné qu'il n'y a pas d'autres concurrents, si je puis dire, pourquoi ne pas ajouter crédit à la tradition provençale? Il y a Patrick qui te demande directement, François, quelle est votre région préférée en Provence? Très difficile à dire. Vous avez vu le film Vacances romaines où on demande à la princesse à la fin quelle est sa capitale préférée. C'est vrai que là, ce qui est très, très agréable pour Provence, c'est la diversité des paysages. Entre la Provence ouverte sur la vallée du Rhône et la Provence orientale, on est dans deux pays quasiment différents, quoi. Vous allez dans le Vaucluse, vous allez dans les Alpes-de-Haute-Provence, Alors j'ai quand même une petite préférence pour dans les Alpes-de-Haute-Provence, vous avez notamment des petites chapelles où on a du pré-roman vers Sisteron, tout ça. Vous avez là on est encore d'une certaine façon dans le récit des origines. On est au 5e, 6e, 7e, 8e dans les temps obscurs, là, dû au Moyen Âge. Et vous avez des petites architectures de toute beauté et ça vaut le coup. Et surtout, c'est très peu connu, donc ce n'est pas du tout sur les circuits touristiques. Dominique demande comment est organisé le clergé à Monaco? Alors, il y a un évêque à Monaco, donc ce n'est pas l'évêque de Nice, hein, c'est une église à part. Hein. Alors, évidemment, il y a je pense que l'évêque de Monaco fait partie de la conférence épiscopale française. Enfin, il faudrait vérifier, mais ça paraît très logique. En tout cas, c'est une église d'une certaine façon diocésaine autonome. Nous allons prendre une dernière question de Jean-Paul qui demande si tu peux dire quelques mots sur Ganagobi. Alors, Ganagobi est un monastère bénédictin. Il serait fondé sur une fondation de Saint-Victor. Donc là, on remonte dans le haut Moyen-Âge. Ganagobi a joué un rôle important. Bon, déjà, il est dans la vallée de la Durance, donc sur un axe routier, sur le chemin de pèlerinage, sur le chemin de Saint-Jacques. Il a accueilli une période des reliques importantes, notamment de Saint-Honorat. Voilà, donc c'est un lieu à visiter. Après, il faudra y aller en vrai et puis demander aux moines de vous raconter l'histoire de Ganagobi. En tout cas, c'est une visite à faire. Voilà, bon, on pourrait évidemment parler encore beaucoup, mais je ne peux que vous conseiller, dès que le confinement sera fini, de descendre en Provence et puis profiter de tous ces lieux, ne pas rester dans les lieux touristiques sur les plages.
même si c'est très agréable, mais d'aller à l'intérieur des terres et de découvrir un patrimoine religieux qui est finalement très impressionnant. Voilà, en tout cas, j'espère qu'un jour, avec Ectus, on pourra proposer une marche là-bas. Et puis, je vous souhaite, puisque malheureusement, il faut conclure, un bon courage déjà pour maintenir ce confinement encore quelques temps, mais bientôt le déconfinement, bientôt la fin du tunnel. Et puis, un bon temps, Pascal. Voilà, que ce confinement ne nous fasse pas oublier que nous sommes encore dans l'élan de la résurrection. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je rends la parole à Vianney. Merci. Merci beaucoup, François. Merci pour ce temps passionnant ensemble. Oui, pourquoi pas? Pourquoi ne pas organiser prochainement une marche en Provence? Justement, je vais vous présenter maintenant les prochains voyages possibles avec François Mollier et nos prochains voyages virtuels. Je vais vous partager mon écran. Vous allez pouvoir voir le petit calendrier. Pour ceux qui connaissent et sont habitués à ce petit moment, vous allez donc voir les prochains voyages réels avec François. François va accompagner plusieurs marches d'ici la fin de l'année. Une marche en Bretagne du 7 au 12 septembre sur le thème chemin de vie. Plusieurs marches dans le désert d'Écosse sur le thème de reprendre souffle du 6 au 11 juillet et du 24 au 29 septembre cette année. Une marche en Italie qu'on a appelé Trek Rome, sur le thème « Marchez et vous vivrez » du 24 au 31 octobre, dans une région absolument magnifique, vers Rome. Un trek en Galilée en chemin avec les évangiles du 9 au 15 novembre 2020. Et enfin, cette fois, un voyage culturel en Chine, sagesse et religion, du 28 novembre au 9 décembre 2020. En ce qui concerne nos prochains voyages virtuels, nous avons... dès demain, un voyage à Madagascar avec l'aventurier Alexandre Poussin dans le parc du Marojej, un magnifique parc naturel. Mercredi 29 avril, nous emmenons pour un itinéraire pictural avec Christian Monjou autour de la résurrection du Christ, au cours duquel nous vous montrerons quelques images, notamment des tableaux de Véronèse. Jeudi 30 avril, nous vous emmenons au Cambodge pour découvrir les beautés du royaume Khmer avec Marie-Pascale Jacot, qui a passé plus de 3 mois à bicyclette à découvrir le Cambodge. Et je pense qu'elle nous emmènera pour un itinéraire absolument magnifique. Mardi 5 mai, Marie-Pascale Jacot toujours vous emmène à Florence pour une plongée dans la Renaissance italienne. Mercredi 6 mai, le père Marie-Angèle Carré vous propose de venir en Israël où ruisselle le lait et le miel. Jeudi 7 mai, toujours Israël, le père François de Sales, que certains d'entre vous ont peut-être déjà suivi, vous emmène pour un itinéraire de Marie en Terre Sainte, en direct de Terre Sainte, puisque lui vit à Nicopolis, là-bas. Et enfin, un voyage que vous ne voyez pas apparaître à l'écran, mais qui est programmé pour le vendredi 8 mai en France, autour du thème des Chouans, avec Reynald Secher, cette guerre qui opposa royalistes et révolutionnaires il y a maintenant 2 siècles. Un grand merci de nous avoir suivis. Nous sommes encore une fois très, très sensibles à vos messages d'encouragement, à votre soutien, à votre participation régulière. Nous espérons bien sûr que ce déconfinement nous permettra de retourner voyager sur le terrain en France et à l'étranger dès que possible. En attendant, nous vous remercions beaucoup pour votre participation régulière et bien fidèle. Nous vous disons à très bientôt et à demain pour les premiers. Au revoir.